RTL Matin, Vincent Parisot jusqu'à 9h30. Il est 8h15 et donc 2 mois après le drame du Chambon-sur-Lignon, vous êtes donc ce matin, Yves Calvi, avec la grand-mère d'Agnès. Bonjour Solange Marin. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes bien entendu accompagné du grand-père d'Agnès, presque 2 mois après le meurtre de votre petite fille au collège Sévenol. Un projet de loi fait l'objet d'un vote solennel demain à l'Assemblée. La mesure essentielle concerne une meilleure information des responsables des établissements scolaires lorsqu'un élève est sous contrôle judiciaire pour un crime ou un délit violent, notamment à caractère sexuel. Comment réagissez-vous ? Eh bien écoutez, je réagis d'autant mieux que j'espère que ça va améliorer les choses, parce que notre cas est, je dois dire, exemplaire. Il n'y a pas eu d'information. Je ne sais pas si le directeur de l'établissement avait des informations. En tout cas, personne n'en a eu et ça a été un piège total pour Agnès. Pensez-vous que non seulement le chef d'établissement doit être tenu au courant, mais aussi les parents d'élèves ? Écoutez, alors là, évidemment, ce serait l'idéal. Alors, je vois d'ici la levée de boucliers. Bon, vous imaginez, hein. Donc, écoutez, c'est une amélioration, elle n'est pas parfaite, mais toute amélioration est bonne à prendre. Et je remercie Michel Mercier, le ministre de la Justice, et Jean-Paul Garot, je crois, qui essayent d'améliorer les choses. Et je voudrais que l'Assemblée nationale vote cette amélioration. Alors, je n'ai pas oublié ce que la maman d'Agnès avait notamment déclaré. Si nous avions connu le passé de Mathieu, jamais nous n'aurions mis notre fille dans cet établissement. C'est évident. Est-ce que vous prenez un risque pareil ? Est-ce que vous mettez une enfant de 13 ans dans un établissement où vous savez qu'il y a quelqu'un qui a commis un crime ? Qu'il soit mineur ou pas, je ne change rien à l'affaire. On sait que votre fils, Frédéric, le papa d'Agnès, était très soucieux d'une éventuelle exploitation politique de la mort de sa fille. Avec les mesures annoncées, êtes-vous rassuré ? Écoutez, l'exploitation politique ne me vient même pas à l'esprit. Je dois dire que quand on est dans ce drame, la politique me paraît totalement insignifiante, je dirais. Donc, à la lumière de ce que vous comprenez du texte, vous dites « il faut absolument voter ça ». Et ce sera, quoi qu'il arrive, une amélioration par rapport à ce qui existait. Je vous comprends bien, Solange Marin. Ce sera une amélioration. Évidemment, ça dépendra aussi des décrets et lois qui sortiront, la façon dont la loi sera, réglementée. Alors, la famille de Mathieu s'est-elle tournée vers vous depuis le drame ? Non, absolument pas. Je dois dire que je ne comprends mal les parents de Mathieu qui ont voulu absolument le sauver et finalement ils l'ont enfoncé. C'est terrifiant pour eux parce que s'ils avaient accepté la punition qu'ils méritaient quand même après avoir commis ce crime, ils ne seraient pas dans cette situation où maintenant non seulement il a commis un crime de viol mais il a commis un crime de sang. Il a tué dans des conditions atroces ma petite fille, atroces. Les responsables du collège Sévenol, est-ce que vous pensez avoir eu avec eux une explication, on va dire, suffisante ? Non. Non, ils se dérobent, ils ne savaient pas, ils ne sont pas responsables. D'ailleurs, personne n'est responsable, chacun se refile la patate chaude. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit le juge, que ce soit le psy, que ce soit... Voilà, ils sont tous... le directeur, non seulement le directeur, mais le conseil d'administration, qui lui aussi était au courant et qui a accepté dans un collège où il y a quand même environ 200 filles, dont des enfants de 12-13 ans, pour commencer, de mettre un violeur... qui avait prémédité, pas un violeur bon, je dirais c'est déjà affreux, mais un violeur qui a vraiment préparé son coup sur une toute jeune fille aussi. Donc, ni la famille de l'agresseur, ni, on va dire, les responsables du collège, selon vous, n'ont fait le trajet nécessaire pour aller vers votre famille ? Écoutez, personne n'a fait le trajet nécessaire. Si nous avons été reçus, mon fils et ma belle-fille ont été reçus en haut lieu et ont reçu un accueil. Mon mari aussi a été reçu par
quelqu'un de ministère, quelqu'un de haut placé, mais je voudrais que la conscience vienne aux juges, aux psys, aux médecins, à tous ceux qui s'occupent de ça, qu'eux aussi ont une responsabilité, et ne pas attendre la loi, à se dire que avec tous ces drames, tous les jours, qu'on apprend par les journaux, par tous les médias, je ne comprends pas que... L'émotion de l'opinion publique est grande, mais elle ne paraît pas passer chez nos magistrats, nos médecins, nos dirigeants en général. Comment vont les parents d'Agnès, Paola et Frédéric? Ils vont pas très bien, ils se soignent. Nous aussi, nous avons beaucoup participé à la vie de ces enfants. Agnès, on était très proches, on sortait ensemble, je la faisais répéter, je l'aidais pour ses devoirs, etc. Nous étions... C'est un drame épouvantable, c'est un drame dont on ne se relève pas. Et nous avons autour de nous plein de gens, de familles qui nous disent, elles aussi... Elles souffrent toujours et qu'elles souffriront toujours. Est-ce que vous estimez, 2 mois après, que ce drame aurait pu être évité, Solange Marin? Mais bien sûr, mais c'est évident. On ne prend pas dans un collège ouvert comme celui-là, où finalement il y a très peu de surveillance, un garçon qui vient de violer une jeune fille quelques mois avant. C'est inimaginable. On ne pouvait pas, dans nos rêves les plus noirs, imaginez une situation pareille. Merci beaucoup Solange Marin. Je rappelle que donc vous appelez nos députés à voter ce texte solennel qui sera présenté demain à l'Assemblée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous, Vincent.